pour les siècles des siècles. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par la sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Et c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier « Pas lui, Barabbas !» Et comme Pilate reprenait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Devant Pilate, détenteur du pouvoir, Jésus aurait dû obtenir justice. En effet, Pilate avait le pouvoir de reconnaître l'innocence de Jésus et de le libérer. Mais le gouverneur romain préféra servir la logique de ses intérêts personnels et se plia aux pressions politiques et sociales. Il condamna un innocent pour plaire à la foule, sans satisfaire la vérité. Il livra Jésus au supplice de la croix tout en le sachant innocent avant de s'en laver les mains. Seigneur Jésus, ne permets pas que nous soyons au nombre des injustes. Ne permets pas que les forts se complaisent dans le mal, dans l'injustice et dans le despotisme. Ne permets pas que l'injustice conduise les innocents au désespoir et à la mort. Confirme-les dans l'espérance et éclaire la conscience de ceux qui ont autorité en ce monde, afin qu'ils gouvernent dans la justice. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Regarde cette croix. Jésus, l'innocence même, et on peut dire, il avait hâte de l'embrasser. C'est à cet instant, c'est à ces moments qu'il peut dire « Pour cette heure, je suis venu au monde. » Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire que Jésus ait hâte d'embrasser la croix? L'amour qu'il a pour son Père et pour toi. Cette croix n'est autre chose que tous les malheurs de l'humanité. Elle se trouve là-dedans. Et il veut l'embrasser pour montrer l'amour à son Père, son obéissance, mais aussi l'amour qu'il a pour que tu puisses comprendre que dans ta croix, chaque jour, si tu aimes, tu peux aussi trouver une certaine joie. Joie de partager la souffrance, les mépris, les incompréhensions et les unir à celle du Christ. Et dans ce chemin de croix, nous allons méditer. Chant numéro 1, numéro 1. Jésus-Christ, ô croix sublime, folie, ô
achète à grand prix. L'amour de Dieu est folie au croix de Jésus-Christ. Oh, victoire éclatante au croix de Jésus-Christ. Au croix, victoire éclatante au croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Du livre du prophète Isaïe. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Les châtiments qui nous obtiennent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Un message d'amour pour nous. En tombant sous les poids de la croix, Jésus nous rappelle que le péché est lourd, que le péché abaisse et détruit, que le péché punit et fait mal. C'est pourquoi le péché est le mal. Mais Dieu nous aime et il veut notre bien. Et l'amour le pousse à crier à ceux qui sont sourds, à nous qui ne voulons pas entendre. Fuyez le péché, parce qu'il vous fait mal. Il vous enlève la paix et la joie. Il vous éloigne de la vie. Et il assèche en vous la source de la liberté et de la dignité. Fuyez. Seigneur, nous avons perdu l'essence du péché. Aujourd'hui, il est en train de se répandre par une propagande sournoise, une folle apologie du mal, un absurde culte de Satan, une folle volonté de transgression, une fausse et inconstante liberté qui exalte les caprices, les vices et l'égoïsme, les présentant comme des conquêtes de la civilisation. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, fais que nous voyions l'amour et que nous la reconnaissions pour ce qu'elle est, afin qu'une larme de repentir restaure à nous la pureté et l'espace d'une vraie liberté. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi.
ventre, sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. En rencontrant sa mère, Jésus se rappelle de son peuple, de sa famille à Nazareth, de la Galilée, du début de sa prédication. Il rencontre l'amour maternel. Celui-ci jaillit du cœur de la première qui a cru. Cette rencontre nous dit le lien entre le début et la fin, entre l'incarnation et la rédemption. La mère a tout donné pour Dieu, et le Fils fait de même. Il donne tout pour que tout soit accompli. Seigneur Jésus, ta mère ne cesse de te suivre, même sur le chemin de ta souffrance. Aujourd'hui, ton cœur de mère est toujours déchiré devant ce spectacle honteux dont souffrent les chrétiens d'Orient, tous les chrétiens persécutés de par le monde. Certains sont torturés, mis à mort à cause de leur foi. D'autres sont enlevés, chassés. Des milliers se retrouvent entassés dans des camps de réfugiés ou ont fui vers les pays voisins. Ces chrétiens appartiennent à toutes les églises et communautés chrétiennes. Ils comptent sur le soutien de leurs frères et sœurs chrétiens du monde entier, mais se sentent parfois abandonnés. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, à endurer pareille souffrance au Moyen-Orient. Ô Seigneur, crée en nous un cœur compatissant avec tous les opprimés du monde, et que Marie nous apprenne à t'aimer comme elle et à te suivre sur tous tes chemins. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as suivi le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Simon de Cyrène passait par hasard sur la route qui empruntait le chemin tragique de Jésus, montant au calvaire pour y être crucifié. Son premier mouvement fut certainement d'éprouver un grand dégoût à la vision de ce condamné à mort couvert de sang, de sueur et de crachats. Mais il n'eut pas le choix, il était réquisitionné par les soldats chargés de l'exécution de Jésus. La croix s'imposa à lui. Peu à peu, Simon de Cyrène a été saisi par ce mystérieux condamné. Il a découvert la profonde communion qui l'unissait à Jésus lorsqu'il a consenti à porter la croix avec lui. Lorsque la croix vient toucher nos vies, elle commence souvent aussi par nous dégoûter. Nous n'aimons pas souffrir. Puis nous nous rappelons Simon de Cyrène. Nous nous rappelons que à porter sa croix et en l'aidant à sauver les âmes. Seigneur, je t'offre les contrariétés de ma vie, mes souffrances de malade, ma solitude de personne âgée, mes inquiétudes pour mon entourage, ma précarité de chômeur, mes difficultés de couple, mes échecs avec mes enfants, ma fatigue et morale. Toutes mes croix quotidiennes, je te les offre en union à la tienne, car ainsi je t'aide à sauver les âmes. Je veux aussi t'aider à porter ta croix en soutenant les hommes
et les femmes les plus souffrantes. Nous prions Seigneur spécialement aujourd'hui pour nos frères chrétiens d'Orient, de Syrie et d'Irak, qui vivent dans leur chair en chemin de croix. Nous offrons nos souffrances pour soulager les leurs. Nous voulons les aider spirituellement et matériellement à porter leur vie. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Ton visage dans les visages des pauvres et regarder dans le regard de ceux qui souffrent. L'Itakun Mashiatka, Kamafisama Kazali Karan Ab, Antina Hubzana Kafafa Yomina, Waferlana Zulubana Wahatayana, Kamanar Nunar Ferlimana Sarayana, La Tokhina Fitajarem, La Kinajina Minal Sheri Amin. السلام عليك يا مريم يا مدركة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطايا الآن وفي ساعة موتنا آمين غلوريا Amen.
bénissons. Car tu as rajouté le monde par la sainte croix. Nous savons que Jésus se relèvera comme il s'est relevé après la première chute. Mais pour nous, le risque du découragement est grand lorsque nous tombons de nouveau. Je n'y arriverai pas. Je me suis relevé une fois, mais deux, c'est trop. Et d'ailleurs, jamais deux sans trois. Je vais encore chuter. Ce dicton populaire nous viendrait-il du chemin de la croix? À l'inverse, une autre tentation serait de nous habituer aux chutes, de ne plus espérer en un relèvement définitif. Ne sommes-nous pas appelés à la sainteté, c'est-à-dire au bonheur? Or, le saint, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui apprend à se relever le plus vite possible, jusqu'à n'avoir plus le temps de tomber, tellement il s'est entraîné à se relever au plus vite. Jésus, ce sont nos fardeaux que tu as décidé librement de porter. Ceux-là même qui t'ont fait tomber, et pourtant trop souvent, nous portons nos fardeaux tout seuls, sans recourir à ta grâce toujours disponible, à cette force que tu nous donnes gratuitement dans ton Église, par ta parole et tes sacrements. En cette septième station, nous te supplions encore et encore pour nos frères et sœurs persécutés, parce qu'ils te restent fidèles sur le poids de la croix. Nous te confions spécialement ceux et celles qui, après un premier relèvement, sont tentés de renier leur foi, de baisser les bras. Viens à leur secours, Jésus, bon Samaritain de l'humanité. Gloria de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Si le bois sec, le bois grain, c'est parce que n'a pas la vie. Jésus nous apporte la vie. Je suis la résurrection et la vie. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous révèle que tu es prêt à donner ta vie pour que nous sortions de la mort éternelle. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde, pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jésus, tu trébuches encore et encore. La terre t'attire. Tu sembles vouloir t'y enfouir, t'y incruster. Ton sang l'irrigue avec abondance, mais ton corps ressemble à ce grain de blé.
les corbeaux se disputent, que toutes les ronces lacèrent, que les pierres se coalisent pour ne pas qu'enfin elles trouvent la bonne terre. Dans quelques heures, au tombeau, cette graine sera enfouie. Et malgré tous les obstacles que Satan a voulu créer dans le monde, la parole de Dieu aura retrouvé la glèbe grasse, celle qui sortit féconde des mains du Créateur. Il dit, et cela fut. Oui, la patience de l'agriculteur sera bien vite récompensée. Il suffira de 3 jours pour que le grain ressurgisse de la terre, un grain charnel et spirituel à la fois. Mais tous les temps, jusqu'à la fin des temps, l'épi se couvrira de tous nos grains de blé, de tous les grains, de tous les sauvés, de toutes les moissons du monde. Nous aussi, et à l'image de nos frères chrétiens persécutés qui tombent et dont le sang irrigue leur terre natale ou leur terre d'exode, ce qu'on ensevelit à la hâte pour que le monde ne connaisse pas leur glorieux martyr, nous aussi sachons, au milieu des ronces et des pierres du chemin, perdre notre vie et surtout la donner, l'enfouir sous les pieds des passants afin qu'elle ressurgisse pour la vie éternelle. Alors nous serons de vrais serviteurs du Seigneur, de vrais chrétiens. Nous témoignerons de toi, Jésus, le serviteur souffrant, le serviteur honoré par le Père. Et in secula, seculorum. Amen. Chant numéro 12. Numéro 12. Acceptes-tu de mourir avec moi? Voilà une dame de vie. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont
vous partager mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. À la plénitude des temps, tu as revêtu, Seigneur Jésus, notre humanité. Toi dont la traîne emplissait le sanctuaire. Désormais, tu chemines au milieu de nous et tous ceux qui touchent la frange de tes vêtements guérissent. Mais tu as été dépouillé aussi de ce vêtement, Seigneur. Nous t'avons volé le vêtement et tu nous as donné même ta tunique. Seigneur Jésus, ta tunique n'a pas été déchirée. Ainsi, tu as désiré ardemment l'unité de ton Église. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Avons-nous suffisamment le cœur transpercé à cause des divisions de l'Église? Prions pour l'unité des chrétiens et travaillons à l'unité de l'Église. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le corps de Jésus est déjà atrocement supplicié, mais ce n'est pas encore la fin. Voici l'heure. Voici cette heure. À la fois tant redouté et tant souhaité. Dénudé, Jésus est jeté à terre. On présente les trois clous, 20 cm de long, 1 cm d'épaisseur. Douleur incroyable. Ces clous traversent le nerf médian et transpercent le poignet. Un flot de sang jaillit. Et puis, l'ultime épreuve. Sans ménagement, on élève le corps avec des cordes au milieu des cris et des ordres. Puis, plus rien. Plus que la souffrance insupportable. Positionné sur la cellule, les crucifiés ne bougent quasiment pas, sauf pour reprendre un peu d'air. Jésus cloué au bois de la croix. Tu es le premier ostensoir, le véritable ostensoir. Au Golgotha, ils sont peu nombreux à t'adorer et à te veiller. Mais tu es enfin élevé de terre pour attirer à toi tous les hommes. Autour de notre évêque, nous sommes ici, un fragment de l'humanité. Nous représentons tous nos frères pour t'adorer. Jésus, cloué au bois de la croix, par ta souffrance extrême, tu rejoins tous ceux qui souffrent différents sévices de leurs frères en humanité. Nous te présentons tous ceux que l'on torture d'une manière ou d'une autre, et nos regards se portent particulièrement vers le Proche et le Moyen-Orient et l'Afrique sahélienne, où des baptisés revivent cette crucifixion dans leur propre chair.
cloué au bois de la croix. Tu as pour toujours les bras ouverts, signifiant un amour inconditionnel du Père du Ciel pour ses enfants de la terre. Aide-nous à ouvrir à notre tour nos bras et notre cœur à l'autre, sans peur ni naïveté. Seigneur Jésus, nous voulons être tes mains pour dire ton amour à nos frères, sans jamais oublier que tes mains sont transpercées. Je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice. Oh Jésus, Agneau de Dieu, découvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. Sois ton Père à mener à ton amour tout puissant. Je crois à Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le corps de Jésus est descendu de la croix. Ainsi, la croix n'est pas première de notre relation avec Dieu. Dieu nous attire d'abord en nous faisant découvrir sa vie. Il nous illumine par son appel. Il nous donne le goût d'aller vers lui. Jésus n'a pas d'abord appelé ses disciples à prendre leur croix, mais à être avec lui pour les envoyer prêcher le royaume de Dieu. Comme sauveur, Jésus vient d'abord à l'homme pour les libérer de ses souffrances, de ses esclavages, de ses morts de toutes sortes. Il ne faut pas non plus confondre la croix de Christ avec les conséquences du mal que nous subissons, ni avec les exigences d'une morale austère. Face au mal et à la souffrance, le Christ ne donne pas une explication théorique, encore moins une justification, mais il s'est fait lui-même la réponse, l'explication, en révélant qu'il est passé par la souffrance pour entrer dans sa gloire. Finalement, l'expérience de la croix correspond à la manière dont la liberté humaine, dans les épreuves et par-delà les choix possibles et raisonnements fictifs, entend l'appel de Dieu à aimer davantage et à lui répondre d'une manière plus vraie. Prions pour nos frères chrétiens d'Orient persécutés, prions pour les victimes des guerres et de la violence qui dévastent en notre temps divers pays du Moyen-Orient, comme aussi d'autres parties du monde. Dans lequel on avait encore déposé personne.
À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Heureux Joseph d'Arimathie et Nicodème qui reçoivent le corps de Jésus. Ils en prennent soin et le déposent au tombeau. Jésus s'est laissé crucifier dans un même abandon entièrement remis entre les mains du Père et celles des hommes qui désirent le recevoir au pied de la croix. Plongé dans sa mort lors du baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui et la vie nouvelle jaillit du tombeau. De nos ténébreux tombeaux, fais jaillir, Seigneur, la lumière de la résurrection. Donne-nous, Seigneur, la grâce de choisir ton chemin de croix libérateur et de garder forte ta foi et l'espérance. Fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière qui ne craignent plus les ténèbres. Fais, Seigneur, que notre chemin de croix aboutisse au pardon, à la réconciliation et la paix, à la lumière du ressuscité. Amen. Et nous pouvons faire nôtre cette prière de l'archevêque syriaque catholique de Mossoul. Comme tous les hommes, vous êtes soumis à la loi de la mort. Par votre mort, vous nous avez sauvés. Nous vous supplions, Seigneur Jésus, d'ensevelir tous nos vices. Ressuscitez-nous. Revêtez de nouveaux habits et faites-nous bénéficier avec vous du bonheur et de la gloire dans le paradis que votre Père a préparé et promis pour ses serviteurs. Voilà, frères et sœurs, arrivés terme de ce chemin de croix. Tout à l'heure, nous aurons, dans le cadre de l'Office de la Passion, la possibilité, bien sûr, de venir vénérer cette croix qui est l'étendard de l'amour, qui est la manifestation de la gloire du Christ alors qu'il est défiguré et qu'il plonge dans la mort. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux pour le Christ? Est-ce les crachats? Était-ce les colibets? Était-ce les coups qui ont plu sur lui-même, la couronne d'épines? Était-ce la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon des siens, l'abandon, ou en tout cas le sentiment de l'abandon du Père? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La douleur la plus vive de Jésus qui transperce son âme, et peut-être celle-ci, le sentiment que ce sacrifice n'a servi à rien, le sentiment de l'inutilité pour tant de peine, pour tant de souffrance, et peut-être que ce sentiment nous guette quelquefois. Oui, la croix a servi à quelque chose. Le salut de Dieu a voulu passer par cela. Et être chrétien, c'est refuser cette ultime tentation qui souvent nous guette. Le sentiment que notre vie ne sert à rien. Le sentiment que toute la peine que ce qu'on s'est donnée est inutile. Non, chaque chose a un prix. Chaque effort qui nous coûte, offert à Dieu et joint à son sacrifice, participe de sa rédemption. Oui, demandons au Seigneur de nous convaincre jusqu'au fond du cœur que rien n'est perdu, que tout peut recommencer. Et nous puisons cette certitude et cette espérance par la croix, dans l'abandon de Christ qui s'en remet à Dieu. Ultimement, nous sommes invités à nous en remettre à Dieu et à lui faire confiance. Et à lui dire, Seigneur, ma foi se tient là, dans cette
demandons-en la grâce pour nous-mêmes et pour tous les êtres que nous portons dans notre cœur et dans notre vie. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Jésus, jetez un regard de miséricorde sur ta famille ici présente, pour laquelle tu n'as pas hésité à souffrir et à mourir. Soutiens spécialement nos frères et sœurs persécutés pour ton nom. Toi qui es mort pour notre salut, accorde à tous, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère et la tienne, d'être admis après la mort en ton royaume. Toi qui nous es règne pour les siècles des siècles. Notre évêque va maintenant nous bénir avec la croix, avec le liquide de la Sainte Croix. Auparavant, deux annonces. D'abord, pour vous redonner les horaires des offices de la Passion ce soir dans notre doyenné, à 18h au Sacré-Cœur de Fréjus et à Puget-sur-Argence, à 18h15 à Fréjus-Plage, à 18h30 à la cathédrale de Fréjus, ici à Saint-Raphaël, à la basilique, à Rangoon et aux Adrets, et 19h à Saint-Égulf. Notre évêque nous a beaucoup parlé hier et aujourd'hui de la communion avec nos frères chrétiens d'Orient. Vous l'avez entendu dans la bouche aussi de nombreux prêtres pendant ce chemin de croix. Les paroisses de Saint-Raphaël contracté avec l'œuvre d'Orient un partenariat et s'était proposé d'offrir un bungalow à deux familles, enfin deux bungalows, chacun pour une famille, et de rééquiper deux des 47 prêtres chassés de la plaine de Ligny. De par votre très grande générosité, nous avons déjà dépassé largement cette somme, puisque nous avons déjà pu offrir 4 bungalows et 4, et rééquiper 4 prêtres. Il en manque un tout petit peu pour un 5e bungalow, pour aider une 5e famille. Il en manque un tout petit peu pour équiper un 5e prêtre. Il faut qu'on arrive à 25 000 euros. Il en manque un petit chouïa. Alors, chers frères et sœurs, si vous pouvez faire ce cadeau aussi à nos frères d'Orient pour un 5e bungalow, et équiper un 5e prêtre. Merci d'avance. Il n'avait pas commis le moindre.